Waouh, c'est quoi ces histoires? Notre ami s'est fait déchiqueter là. Oh non. Oh là là, c'est horrible. C'est affreux. Ah, je suis dégoûté pour lui. Un plan d'armes, allez. Un râteau électrique. Bon, on va en faire un. Hop. Hop. Allez, c'est parti. Petit râteau électrique. Les râteaux, c'est toujours efficace, hein, que ce soit les vrais ou les faux. Hein, ça dépend comment vous le prenez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Des vitamines. Oh, il recommence à faire ses travaux l'autre en dessous là. Oh, je vais le tuer. Il va y avoir un meurtre, les amis. Bon. Ah, c'est un zombie ça! Crève! Tu vas mourir? Allez! Est-ce qu'il est mort? Non, il est pas mort. Là, il est mort. Là, vraiment, les amis, il est mort. Enfin, on n'en parle plus de lui. Si amputation, bah, on va prendre tout ce qu'on peut prendre hein, pour l'instant. Puis on verra par la suite. Si on... Je pense pas qu'on aura dans tout ça, de toute façon. Hein. Ça semble un peu logique. Allez, on va essayer de s'enfuir. Je pense qu'il faut s'enfuir, hein. Ça me paraîtrait assez logique. Café. Carrois, carrois. Carrois, c'est toujours bien le carrois. Toujours utile le carrois. Ok, on va prendre la masse. Donc la scie. Meilleure portée. Je trouve, après, mon point de vue. Numéro 12. Non, je... Je sais qui vous êtes. Mais vous êtes qui? Je suis Isabella Keyes. Vous? Je vous attendais. Depuis longtemps. Vous avez contaminé Willamette! Vous avez tué mon ami Diego! Je ne suis pas une terroriste! On vous a menti à mon sujet. Vous pouvez me faire confiance. Je vais changer les choses. Avec vous. Qu'est-ce que vous racontez? Ce serait trop long à expliquer. Mais sachez simplement que vous ne connaîtrez pas le même sort que votre ami. Ils ne vivront pas dans votre corps. Les vers, ils ne peuvent pas. Qu'est-ce que vous savez d'autre? Je veux tout savoir. Parlez. Venez, je vous expliquerai tout à l'abri. Faites-moi confiance. Stop! Allez! Je vous laisserai pas ici, c'est trop important! Partez! Allez à l'entrepôt sur le port! On a un avion, on va tous s'enfuir! Je vous retrouverai là-bas et je vous raconterai tout ce que je sais! Si je ne vous ai pas en vie, j'essaierai d'en récupérer le plus possible sur les murs! Oh, ça sent le boss contre un vieux robot de merde là! Ça craint un peu! Attendez. J'ai déjà envie de tout ça dit? Oh merde, ça fait un peu mal. Je dois l'avouer. Hey, hey, est-ce pas t'approcher un petit peu là? Allez, prends cher. Prends cher, je te dis. Oh, il pète un plomb. Oh, il pète un plomb là. Hop, j'avale ça. Ah, il m'a jeté dans les flammes. M'acheter dans les flammes, l'enfoiré. J'ai plus mon arme. Voilà, je l'ai tué. J'ai plus mon arme, elle est où? Merde alors. Oh, 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 doucement, tranquille. Faites pas un plomb. Si, à béton, d'accord, ok. Mettre les chargeurs pour vous échapper. Je veux bien, pas de soucis. C'est vrai qu'il y a un peu beaucoup de zombies par contre là. Ah si, c'est bon, je l'avais là. Oh non. Qu'est-ce qu'il fait? Oh. Oh. Oh non. Oh mon dieu. Oh mon dieu, faut que je m'échappe de là. Ah, c'est urgent là. C'est même pire qu'urgent. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, c'est de le péter les amis là. Qu'est-ce qu'on en pensait? Allez, un coup, encore un, et voilà. Où est-ce qu'il y a l'autre, là? Oh, il y a plein, plein. Oh, il y en a deux, là? Non, ils sont sérieux ou quoi?
Encore. Ah si, il y a encore un là. Oh mon dieu. C'est bien relou. C'est bon, je suis. Quand je suis en dessous de lui, à part qu'il fait ça, je suis un peu intouchable. Allez, voilà, voilà, plus personne. Ah, c'est bon, je suis en dessous de lui. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, rassurez-vous. S'il me laisse encore aller dessous, ça peut le faire. Allez. 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 On va l'avoir, les amis, rassurez-vous. Y'a pas de soucis. Avec des solutions. Voilà. Un petit coup de soin, hein. Ça fait toujours extrêmement plaisir de se soigner de temps en temps. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, les décors disparaissent comme ça. Bon, c'est du Dead Rising, heureusement. Sinon, on le prendrait un peu mal. Allez, je me sauve. Je vous aurai un jour mort ou vif, 12. C'est une promesse. Marianne. L'idiote. Bon, bah on a terminé le chapitre 6, plus qu'un. Bien sûr, on sait tous qu'après il y aura encore un chapitre en plus, hein, je vous l'avais dit un peu plus tôt dans les vidéos. Il y a 8 chapitres, il me semble. Enfin, si je dis pas de bêtises. Je me casse de cet enfer. Et j'emmène mes amis avec moi. Où est-ce qu'il est, ce bar karaoké? Allez, on va retrouver ce bar karaoké là. Rappelez-vous, hein, je crois que c'est là où on est allé avec. Enfin, ramener le corps d'une fille là, qui n'était pas la bonne. Et notre pote, enfin notre pote, notre soi-disant ami hein, qui en fait a voulu nous tuer, enfin voilà voilà. C'est pas vraiment un pote finalement, c'est vrai qu'on peut pas parler d'un ami comme ça. C'est un peu délicat. Allez, laissez-en passer là. On est pas là, je suis pas copain avec vous moi, on est pas là pour beurrer ensemble. Pas de véhicule, y'a rien en plus, c'est un peu la merde. Un cul de sac là, allez, 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 allez. Allez, laissez-moi partir. Je veux partir d'ici. Je ne suis pas un des vôtres. Peut-être pour ça qu'il va nous bouffer, je sais pas, d'ailleurs. C'est pas logique maintenant. Enfin, on se sauve par contre, c'est vrai que c'est un peu foufou ça. Je sais pas trop où partir là. Ah, c'est bon, on a trouvé la solution. C'est par ici. D'ailleurs, est-ce que j'ai des points à mettre de compétences? Ouais, ouais, je crois que j'ai des points à mettre. Hop, là-dedans. Voilà. Allez, on est parti, les amis. Je vais stormer cette merde là. Je prends un peu de sel. Je sais pas c'est quoi ça, c'est du sel, c'est des vitamines, c'est. Oh merde. Ça, jamais laisser tomber ça, c'est très très important. Bon allez. On est à une centaine de mètres de ce qu'on appelle notre soi-disant chez nous. Allez, je vais pousser ça. Parce que j'aime beaucoup pousser ça. Ça me fait rire. Genre de truc là. Regardez. Hop. Laissez passer. Est-ce qu'on peut passer par-dessus là? Non? Waouh, 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 il m'a foncé dessus, c'est un fou! C'est un ouf! Allez! Super loser, d'accord. En même temps, on en a plus rien à faire de lui. Tiens, tiens, tiens! On dirait bien que c'est notre vieux pote de l'autoroute! Souviens-nous, mon pote? Je crois bien. Hey, parce que nous, on se souvient vraiment bien de toi! Fais chier! Qu'est-ce qui se passe? Je dois sortir d'ici! Moi, je me souviens pas d'eux, moi! Est-ce que vous vous souvenez d'eux, vous? Lui? Bah, pas moi.
Ah, comment on monte là-haut aussi? Comment on ouvre ces portes? Il faut déjà monter. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Il n'est pas sorcier finalement dans ce jeu. Il suffit de d'esquiver les zombies. Allez! Allez, il est juste là, moniteur. On y va, on appuie. Ah, bien entendu, il n'y a pas de courant. C'était sûr, c'est à prévoir ça. Activez le courant. Après, il y aura quoi? Il n'y aura plus d'essence. On va mettre de l'essence. Elle saute. Eh bien sûr, on peut même pas ouvrir la porte. Elle est verrouillée. Ça, c'est cool. C'est verrouillé. Ça fait plaisir. Comment on peut passer ici, les amis, si c'est fermé, honnêtement? Je fais un peu de ménage. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon. Ça m'a l'air d'être fermé. À moins que... Non, c'est ouvert là. Allez, voilà. Bien sûr, fallait s'en douter. Trouver un câble maintenant. Forcément, il faut tout trouver dans ce jeu. Hein, il faut tout, bien sûr. On n'a rien, on n'est pas de MacGyver, nous. Hein. Allez, on se barre d'ici. On trouve un câble. Après, il faudra quoi? Il faudra faire le câble, les amis, peut-être. Et oui, faire un câble. C'est très simple. Regardez sur Wikipédia. Non, mais allô. Parce que j'ai une tête d'électricien, quoi. Ah là là là, on peut s'en attaquer de toutes parts. Ah. Il faut en tout cas de la bouffe, ça serait un truc super bien. Oh là, j'ai besoin de ça. Ah là là. Bobine de câble, ça c'est bon. Allez, le lait, on prend. Ça, on prend au cas où on en ait besoin. Allez, on est reparti. Petit coup dans le métro, ça fait toujours plaisir. Gratuitement en plus, hein. On prend le métro gratuitement, nous. On est comme ça, hein. On paye pas. On a la passe Navigo en même temps. Et je passe par là, je suis un fou. Je suis un gueudin. Je tape un jump. Ah là, dégage. Allez, ouvre-toi. Enfin, plutôt, fouille. Fouille. Maintenant, faut remettre le courant. Dégage. Je suis sûr qu'on peut ouvrir de là. Eh ouais. On peut toujours ouvrir de l'extérieur, sachez-le. C'est un truc très important. Enfin, de l'intérieur, pardon. Je me suis trompé. On peut toujours ouvrir de l'intérieur. Très bonne arme, en tout cas. Pas déçu de cette arme-là. J'aurais dû la faire bien avant. Bon, voilà, c'est tout ouvert. On est content. On a pu enfin montrer aux méchants qu'on est plus intelligent qu'eux. Ouais, chouette alors. C'est magnifique. Il y a une fin terrible, mais je sais pas où est-ce qu'elle est. Waouh, il m'a rushé dessus. Il a cru que j'étais un quarterback. Sauf que je ne suis pas un joueur de football américain. Merde. Je sais que vous allez y croire. Mais non, c'est pas le cas. Oh là là là. On se barre, les amis, là, parce que ça commence à sentir le caca boudin. Comme dirait un certain enfant. Allez, on se dirige au bar. Oh, ils sont là, les copains. Enfin, les copains. Vite fait, hein. Pas de compte de vie. Hein. Allez, voilà, je les ai grillés. Il est résistant, lui. Il était, plutôt. Il était résistant. C'était un résistant, lui, on l'a connu. Il s'appelait Jean Moulin. Oh, c'est de l'époque, tout ça. 1945. Oui, je sais, je connais pas trop mes dates. Je suis un peu une buse en histoire.
Laissez-moi passer. Nom de Dieu. Ah, ils sont trop nombreux. Et en plus, là, je vous raconte même pas. Il y a des travaux en bas de chez moi. Et le bruit de la perceuse, elle fait peut-être plus de bruit que moi en train de parler. C'est un truc de fou. Non, je rigole. Enfin, je sais pas si on va l'entendre dans la vidéo. J'espère pas. Si c'est le cas, je m'excuse. Hein. Je sais que c'est pas moi de m'excuser. C'est plutôt mon propriétaire de s'excuser. Ah là là, mais dégage, j'en ai pas besoin de toi. T'es moche, en plus, tu pues de la gueule. On y va tranquillement. Et c'est où ce bar à la con là? VIP. Moi je suis un VIP, moi j'entre comme ça, moi je suis un fou moi. Oh mais regardez qui voilà! Tu veux encore me foutre en l'air? Gary, qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi ce bruit? Hein? Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression d'avoir entendu un gringalet, je me trompe? Écoutez-moi, vous devez me laisser entrer! Non, on dirait que t'es devenu un grand garçon, c'est ça qui t'est arrivé? Je dois la sortir d'ici. Ils vont faire sauter la ville, des vies sont en danger! Des vies sont en danger? Et ma vie, elle est pas en danger! Pourquoi tu penserais pas à moi pour une fois? Ça t'emmerderait d'y penser? Le patron m'a pris la tête. Il a pas arrêté de me tanner pour que je ramène cet Annie. Et c'est bon, je l'ai enfin coincé! Et ramené, pas grâce à toi! Une chose est sûre, il va me descendre si elle s'enfuit encore. Et il va pas tarder. De toute façon, j'ai plus de raison de vivre. Je suis complètement fichu. Qu'est-ce qui me reste? Ce boulot pourri? Tu m'entends? C'est un boulot pourri! Ras-le-bol! Ras-le-bol! Ras-le-bol, tu m'entends? J'arrête pas de penser à tout ça. Depuis cette épidémie, j'arrête pas de ressasser tous ces trucs! Tout roulait avant! Tu sais à quel point ça roulait? J'étais lutteur! Je me faisais tout un paquet de fric! J'avais une jolie femme, une grande maison! Ma femme, c'était... c'était une super mécanicienne, et j'ai tout fichu en l'air! Bon sang! Ma ronda chérie me manque tellement! Tu te fous de moi? Tu te moques de moi? Je te confie tout ce que j'ai sur le cœur, et toi, tu te fous de moi? Vous êtes prêt à tout pour revoir Ronda? Bouge pas! Même me laisser entrer? Me cherche pas trop, espèce de petit branleur! Très bien, ça suffit! Soit tu me passes sur le corps, soit tu me rends un gros service. Y'a comme ça que tu pourras entrer. Je t'attends. Hein? Donne-moi une raison de vivre.